panache, c'est un démonstrateur du concept de Oduct, qui est une nouvelle architecture donc pour les inverseurs et les nacelles plus particulièrement. Panache stands for pylon and nacelle advanced configuration for high efficiency. The deduct design, as they close down around the engine, there are two distinct fan duct passages that the air flowing from through the engine have to go through. When the switch to an oduct, when it's closed, it eliminates the lower walls in the passageway so that you have one continuous passage. So one of the goals there is to reduce weight as opposed to a traditional package. If you take weight out of the structure, you can put more weight in fuel and go further, or you can put more weight in passengers and take more people. Panache came to mind because it was a French word, and since it was a joint venture and our first joint venture, I thought it'd be kind of neat to pick a word that had French origins. Le vrai challenge sur ce projet, c'était les délais. Donc les fournisseurs, je les avais presque tous les jours au téléphone, puisque comme je vous l'ai dit, les délais étaient assez courts, ce qui fait qu'il était nécessaire d'avoir au jour le jour un statut de l'avancement de presque toutes les pièces et pouvoir dire à l'atelier, cette pièce-ci aura un peu de retard, celle-là est en avance. Est-ce qu'on peut inverser les process d'assemblage pour pouvoir finir à temps le démonstrateur, puisque le créneau derrière que nous avions au niveau du banc d'essai était relativement étroit et il n'y avait pas possibilité de changer. Les essais eux-mêmes se sont faits à Peebles chez GE sur le banc d'essai moteur. La phase de préparation des essais s'est faite en parallèle de la conception même du produit, donc ça a duré 2 ans on va dire. Les essais en eux-mêmes ont duré 3 semaines. Donc Panache a validé notre nouveau concept de nacelle dans le sens où on a réussi à corréler nos modèles numériques avec la réalité découverte pendant les essais. Je veux dire que les efforts passent là où on les attendait. Les sous-concepts, je pense notamment à la nouvelle cinématique de volée et le nouveau système d'accrochage de l'inverseur sur le moteur, se sont comportés comme prévu fonctionnellement. On peut dire que les essais ont été une réussite et que le concept de Oduct est viable. The Panache, which is part of our goal to provide an integrated propulsion system, will benefit the airframer in a number of ways. One way is it's less risk. When you have an integrated propulsion system, there is less interfaces for the airframers. That means you'll have less discontinuity, you have a better streamlined supply chain, and that will provide benefit to them in their cost structure and their management structure. At the same time, the operators will see higher fuel efficiency engine in that the losses from IPS that incorporates a Panache will go towards a lower fuel bill, which is better for their economics, so their life cycle costs will be less. This achievement that the team did is spectacular. So it's a very exciting time, and the Panache results and the testing is just another example of the great teamwork that's taking place, and it gives me the confidence that we're on the right track.